C'est le branle-bas de combat dans la cuisine de ce grand restaurant tunisois. Au fourneau, le chef Mounir Harem et son équipe concoctent, mijotent et font frire les plats. Des plats de qualité et typiquement tunisiens. Donc là, c'est le poulpe en camonais. C'est un ragoût de la région de Sfax. Avant de servir, le chef rajoute encore la dernière touche indispensable. Alors là, on va rajouter de la harissa. On en rajoute à toutes les sauces. On n'arrive pas à manger si c'est pas piquant, c'est fade. Donc en Tunisie, on mange vraiment piquanté. Mais avant d'atterrir dans les assiettes, la harissa vient d'ici, les plaines de la région du Cap-Bon. Mi-juillet, c'est le début de la récolte des piments rouges. Pour le producteur et créateur Imed Attig, une vraie partie de plaisir. C'est un piment de qualité extraordinaire. Un piment d'une variété fixée. Et pour préparer vraiment de l'harissa de très, très, très bonne qualité. Dans l'étape dite du cordage, les ouvrières tressent des guirlandes de piment pour ensuite les accrocher au soleil. Une fois séchés, les piments sont hachés avec de l'ail et du sel. Et ici, ça se fait manuellement, à la force du bras. Maintenant, on va parler d'une harissa revisitée. Il y a des doses précises. Si on va parfumer de l'harissa classique, on va le parfumer par exemple avec du cumin. On peut ajouter aussi une dose plus ou moins différente pour le gingembre, pour le thym ou le romarin. Avec ces nouvelles recettes, Imed tente de mettre en valeur la harissa made in Tunisie. Son prochain objectif, obtenir une appellation d'origine contrôlée pour la harissa et la faire inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO.